Dans l'islam, nous pas faire différence entre monsieur, madame, jamais. Nous faire différence avec eux, disent leur responsabilité et non pas leur spiritualité. La spiritualité devant Allah, c'est tout pareil ça. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire nous, « Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati » wal qanitina wal qanitat, certainement ban musulman, ban croyant. Allah subhanahu wa ta'ala yal en après l'autre, Miché madame. Wa sabirina wa sabirati. Miché madame, ça qui n'a pas chance. Allah subhanahu wa ta'ala wal khashirina wal khashirat. Ban qui paye, qui n'a la frayeur, qu'il soit miché madame. Tout yal masculin féminin. Qui fait? Et à la fin, il dit, aradallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala fait une prépare pour eux, un pardon et une grande récompense. Juste pour Miché ça? Miché, madame. Y aller comme ça. Nous qui gagnons l'impression, l'islam, lui donne juste Miché, lui pas donne madame. Tout le monde comprend parce qu'ils n'ont même pas appris. Ils n'ont même pas envie de connaître de la source que l'islam dit à madame. Tandis, t'as gobé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, man amila salihan min dhakarin ou untha, c'est lui qui fait une bonne action, qu'il soit un miché ou bien madame. Pas que ça n'a ça. Tu es un miché, tu es une madame, tu fais une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous faisons une bonne vie dans la terre. Nous faisons une bonne vie dans la terre et nous récompensons-les. Ça pas à ta zispo, pour ban miché.